Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous introduire les articles définis et indéfinis en luxembourgeois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires et n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram. D'article. Bestimmt article. Les articles définis. Les mots masculins sont précédés de den. Der Mann, den Hund, l'homme, le chien. Les mots féminins sont précédés d'un d'apostrophe. Tfra, tkat, la femme, le chat. Et les mots neutres sont également précédés d'un d'apostrophe. Tkant, pour, l'enfant, le livre. Dann bestimmt Artikeln. Les articles indéfinis. Les mots masculins sont précédés de un, a man, un hund, un homme, un chien. Les mots féminins sont précédés de eng, eng Frau, eng Kat, une femme, un chat. Et les mots neutres sont également précédés de un, a Kant, a Buch, un enfant, un livre. Attention, il n'y a pas nécessairement une correspondance entre le luxembourgeois et le français. Le mot « un cat » est féminin en luxembourgeois, tandis que « un chat » est masculin en français. La même chose pour « den Auto », masculin en luxembourgeois, et « la voiture », féminin en français. De pluriel. Le pluriel. L'article défini au pluriel est le d'apostrophe. De man devient t'männer, t'fra devient t'fraen et t'kant devient t'konner. En ce qui concerne les articles indéfinis, il n'y en a pas au pluriel. A man devient männer, ein fra devient fraen et a kant devient konner. Jetons un coup d'œil à quelques exemples. Int. Oh, guck, dois ein Katz. Zwei. A schwellenden Auto. Drei. Hat wollen Hamburger. Feier. D'Buch aus ganz gut. Fünf. Dat ist d'Frau vom Henri.